Oh, tu poses le casque. Doucement, mon cadeau de Noël. Beware Noël. Beware Noël. Salut à tous. Salut. De quoi? Salut. Hé hey Bernard, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur j'aime. Salut à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour de vidéo. Enfin, en même temps, c'est une vidéo qu'on est obligé de faire tous les mois. C'est vrai qu'en plus, et pour une fois qu'on tient un concept, parce que depuis le mois de décembre, on fait tous les... On tient toujours le Wargame et Gaming. Oui, mais enfin, vous avez vu, c'est revenu. Un peu. On vous avait prévenu de toute façon qu'il n'y aurait pas beaucoup de vidéos. Alors là, ça c'est clair. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on fait partie d'une association, d'un groupe de danse qui sont en catégorie, qui vous voulez. C'est-à-dire en, comme si c'était en Ligue 1 pour le football. C'est pareil pour la danse bretonne. Nous, on est en championnat. On était en une catégorie 2. On était dernier au premier pas. Enfin, on va dire à la première partie du championnat. Voilà. Ensuite, il y avait la deuxième partie qui définissait du coup la partie, enfin le classement final général pour l'année prochaine. Et pour la première partie, notre groupe était dernier. Voilà. Donc, on était potentiellement en redescente. En redescente dans la catégorie. On s'est dit, on va faire un bon spectacle et puis on va rester dans la deuxième catégorie facilement. Voilà. Voilà. On s'est dit, on va tranquillement, on sait qu'on va y rester. Et petit à petit, à force de travailler, on s'est dit, putain, on a peut-être des chances de rester. En deuxième. De rester en deuxième. Et limite, on pourrait se voir dans le top 5. Oui, voilà, dans le top 5. Et finalement, on est terminé. Deuxième. Deuxième. Et on monte du coup en première catégorie. En fait, au fur et à mesure qu'on monte et tout, mais y a pas qui ronde. Attends, ils nous oublient ou quoi? Et là, t'entends, d'un coup, deuxième. Là, t'entends, déjà, troisième, chance. Chance? Faux débit. Faux débit. Faux débit. Faux débit, tête de formoise. J'ai rien que déjà, ils ont dit troisième chance. Nous, on s'est regardé, on est en première. Ils étaient, ils avaient pas annoncé. On savait que du coup, bah, si on n'est pas troisième, qu'ils ont pas dit notre ton, c'est qu'on est facile. Enfin, on est en première. Chance, troisième. On est en première. Surtout que le deuxième, qui était Guédou, qui était deuxième en première partie, la première partie de notre championnat. Championnat, et pas fini dernier. Alors. Alors, déjà au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes. On n'est pas là. Enfin, au moment où vous voyez cette vidéo, on n'est pas ici. Donc voilà, on disparaît. Non, parce qu'on est où? Vous l'avez dit, on était content de la dernière vidéo nouveauté. Oui, on est à Disneyland. Ah bon? On est à l'Océarium du Croisic. Les Naudières. Voilà. Donc on est à Disneyland Paris, comme vous avez annoncé. Donc ça s'est bien bien fait, même si on a eu quelques petites peurs. Donc on est à Disney au moment où vous voyez cette vidéo. Et donc on est, comme on vous a dit, en préparation de l'énorme vlog. Enfin, je sais pas si ce sera énorme. Énorme vlog qui sera publié du coup dès notre retour. Donc ça va être une vidéo qui va me demander beaucoup de temps. On est à d'y aller. Donc bah, oui, au moment où on vous parle, on est à, deux jours d'y aller. Et voilà, donc on est très très content. Et en plus, c'est un bel effort parce que pour ce grand fan de football, il va louper la finale de la Ligue des Champions pour la parade de Disney. Donc voilà, donc on est à Disney et puis on vous rapporte vite des images rapidement. Pas des vidéos, images. Des réactions. Réactions, voilà. Réactions. Ça va être. Réaction après la tour à terreur. Donc voilà, donc c'était donc, voilà. Le premier sujet. Donc, voilà, le premier sujet, donc on est en préparation du vlog des Disneyland et on pose fort à vous. Le retour des solos de Guédou. Non, ça c'est pas un officiel, mais c'est une question, en gros, que je me pose. Pas recréer une chaîne tout seul. Ouais, en fait, il y a quelques jours, je me suis réabonné à Skyro, qui est lui aussi qui m'avait donné à l'époque de envie de commencer les vidéos sur YouTube. Et c'est pas que lui qui m'a donné envie, c'est aussi le fait que j'ai fêté mes 2 ans sur YouTube, parce qu'il y a fin mai 2015, j'ai sorti la toute première vidéo sur ma chaîne, qui est d'ailleurs cette chaîne. Donc si vous allez tout en bas des vidéos, vous allez avoir la toute première qui était de moi. Et j'avais envie de... Voilà, ça m'a donné envie de refaire des... J'hésite encore, hein, malgré le temps que je peux y consacrer, de revenir faire des vidéos, voilà, Face Commentary sur les Call of Duty, tout ça, comme je faisais à l'époque.
Donc c'est pas, c'est une question que je vous pose si ça peut vous intéresser. Ça sera pas en chaîne différent, ça sera sur cette chaîne là, mais ça sera en playlist différent. Ça a l'air vachement d'intéresser. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Enfin, ça va faire combien de temps ça? Eh, vous rendez compte que ça fait, enfin, on est au mois de juin, ça fait 10 mois qu'on a commencé la théoprod. Ça fait bientôt un an la théoprod, la vache. En septembre qu'on a commencé, septembre 2016. Donc oui, c'est quand même un an et demi de vidéos solo et c'est pas rien. Donc à vous de me dire maintenant si ça vous intéresse de revoir de temps en temps, je dis bien pas tout le temps, mais de temps en temps, des vidéos solo comme je faisais à l'époque. Et bien sûr, si j'avais le temps, voilà, tout simplement. Donc, à toi. Bah non, je viens de parler. Ah oui. Il y aurait certainement peu de vidéos ce mois-ci. Eh oui, vous attendiez peut-être qu'on vous annonce qu'il y aura plus de vidéos. Eh ben non, ça sera pareil que le mois dernier. Oui, on verra bien. On verra bien. L'envie, parce que voilà, on a pas mal de spectacles et puis. Qu'est-ce que c'est couille ? On avait prévu de faire des vidéos avec Chacha aussi, vous en avez parlé. Ouais. De faire le remake des bonbons. Et oui, enfin, voilà. Et donc, voilà. Et bien sûr, on bosse aussi sur le projet pour l'Ukraine. C'est en préparation aussi. En légère préparation, parce qu'on préparait Disney avant. Mais sinon, on commence à préparer l'Ukraine petit à petit. Voilà. En espérant que ça se passe. Voilà. Le mois dernier, enfin, oui, le mois dernier, mois de mai, qu'on a fait le grand retour des Gamesic et Wargame. Voilà. Et non, franchement, j'ai regardé... Ça m'a donné envie de retourner dans les gameplay qu'on avait enregistré à l'époque. Et pour faudrait que tu montes ça, je sais pas. Et pour vous dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré, parce que le dernier gameplay qu'on a enregistré datait quand même du mois de février. Début février. C'était du Rainbow. Je crois que j'ai quoi ? Je dois encore avoir du For Honor. Enfin, qu'on avait enregistré pendant la bêta. Ouais. Je vais avoir du Rainbow, je vais avoir du Battlefront et je dois même avoir un gameplay d'Infinite Warfare. Donc pour vous dire que ça date. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à retravailler sur les Gamesic et Wargame. Ça m'a donné envie d'y rejouer. On a aussi le projet de retourner aussi sur GTA pour une vidéo spéciale, on vous dit pas le thème. Mais voilà, retourner sur nos classiques, c'est-à-dire on va retourner un peu sur GTA, sur Rainbow, et puis retourner aussi sur des diversités, et diversifier un peu. En tout cas, voilà, on vous dit à jamais, parce qu'on va mourir à Disneyland, du coup... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes déjà pas, ainsi qu'à nous suivre sur nos pages Facebook, donc sur Ataoprod pour Facebook, oui. Je ne me trompe pas jusqu'à maintenant, oui. Et sur Gamesic ou Wargame sur les comptes Twitter. Voilà. Donc voilà, Ah oui, un petit détail, pour les lives Twitch, on va attendre... Alors, c'est vrai que ça fait quelques vidéos, enfin même depuis le mois dernier, où on dit on va revenir avec les lives et tout ça. Problème, chez moi, qui fait le lancement du coup des lives, parce que c'est moi, il y a des travaux. Et en fait, tous les machines qui traînent dans le coin font en fait un énorme parasite. Ce qui fait que la connexion est assez moyenne et mauvaise. Enfin, en gros, je suis retourné même à pire que Free. Avec un boîtier 4G. Donc pour les lives, on va attendre cet été. Donc en tout cas, voilà pour cette vidéo. Du coup, on vous dit bonne journée ou bonne soirée. Et puis on vous dit du coup à très bientôt. Ça se trouve très bientôt, très très bientôt, ça se trouve. Et pour une prochaine vidéo sur la Théoprod. Salut à tous. Coucou, le CRS. Le CRS. À la Wagba. Les djihadistes. Les djihadistes.